César, ceux qui vont mourir te saluent. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, présentation d'un nouveau type de vidéo de ma chaîne qui va être consacré, accrochez-vous, aux armes dans le cinéma. Deux sujets qui me passionnent. Aujourd'hui, j'ai choisi Gladiator. Vous allez comprendre très très vite pourquoi. Donc, ces films ont un point commun. Ils ont quelque chose qu'utilise Gladiator, l'espagnol Russell Crowe Maximus. C'est-à-dire qu'il utilise un gladius, à savoir donc en latin, qui désigne le glaive. Et pourquoi je vais vous parler de ça? C'est parce que moi-même, je me suis acheté un gladius. Donc c'est l'épée courte qui équipait les légions romaines. Elle a été conçue pour délivrer de puissantes frappes. Donc le glaive était large. Donc si je m'abuse, moi, elle fait 5,5 de large. Pour en fait que les blessures infligées soient les plus larges possibles. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une lame à double tranchant. Plus le glaive est court, moins le légionnaire doit armer son coup, et donc plus vite il va pouvoir frapper. Donc tout l'intérêt. Donc les coups à l'époque étaient principalement donnés au visage et au bas-ventre. Hein. Et en gros, il était dit que si le glaive pénétrait de seulement 4 cm, le coup était mortel. Donc la longueur de l'arme, de la lame, pardon, varie de 40 à 60 cm. Moi, elle fait 60 cm de long. Vous vous rendez compte peut-être par rapport à la taille d'un DVD. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous voyez, j'ai travaillé le sujet. Donc au moment de la frappe, en fait, le glaive était placé derrière le bouclier. Comme ça, l'adversaire, il ne sait pas quand et où porter le coup. Donc en Occident, le glaive est symbole de justice, hein, où il figure à côté de la balance. Donc, je vais vous décrire un peu plus ce glaive, hein, ce gladius. Donc, les films où apparaissent cette arme sont légion, hein, c'est un beau jeu de mots, sont légion. Donc, il y a entre autres Spartacus, hein, le film avec Kirk Douglas. Ou la série, hein, excellente série, hein, que j'aime beaucoup, hein, que j'ai en Blu-ray. Il y a Gladiator, Ben-Hur, Caligula, Quo Vadis, et plein d'autres. Donc, que vous dire sur mon gladius? Donc, la longueur totale est de 79 cm. La lame fait donc 60 cm de long sur 5,5 de large. Alors, comme vous voyez, elle est en acier et bois, hyper bien détaillée, une lame de très grande qualité, espagnole, Toledo en acier, donc complètement fonctionnelle, et je peux vous dire que ça pèse son poids. Franchement, c'est très très impressionnant. Vous voyez, elle est magnifique, franchement j'ai craqué complètement dessus. Vous voyez, toute gravée, hein. C'est pas juste dessiné, on va dire, c'est vraiment gravé dans la lame. Je vais voir si elle fait point. Voilà. Une très très belle arme. Donc, je vais vous la détailler un petit peu. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le pommeau, hein, de l'épée. Ici, ce qu'on dirait vite fait le manche, bah, en fait, ça s'appelle une fusée. Et l'ensemble constitue la poignée.
Ici, c'est ce qu'on appelle la garde, hein, pour arrêter en fait l'épée adverse, hein, pour la parer le coup. Sur la lame, eh ben, vous avez tout simplement, ben, le tranchant, hein, voilà. Et vous avez la pointe. Que vous dire? En fait, bon, il y a des symboles romains un petit peu classiques, hein, on aperçoit ici le SPQR. Hein. Donc le SPQR, c'est Senatus Populusque Romanus. Donc le Sénat et le peuple romain. C'est l'emblème de la République, puis par tradition, bah, de l'Empire romain. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui se fait enlever comme tatouage dans Gladiator, hein, SPQR, si je me souviens bien. Ensuite, on a l'aigle ici, sur le haut de l'épée, donc qui est le symbole par excellence de l'Empire romain. L'animal, il va forcément frapper un peu plus l'imagination qu'une musaraigne ou qu'un lapin. Mais pourquoi pas un loup et un lion? Et ben en fait, l'aigle est considéré comme le roi des oiseaux. Hein. Il est capable de s'élever haut dans le ciel. Son vol est majestueux et puissant. Donc il est associé aux dieux. Hein, il représente souvent même Zeus et Jupiter. Hein. Donc l'empire qui était hyper conquérant de Rome l'a donc choisi comme emblème total. Hein. Il y a aussi une autre armée, hein, qui l'a choisi un peu plus récemment lors du deuxième conflit. Donc effectivement, pour l'armée allemande, le Troisième Reich, cet aigle était un peu partout également. Ensuite, on a ici une scène de bataille. Hein. Ici, vous voyez. Et ici, donc je pense que ça doit être Jupiter. Que vous dire? Ici, on a des chevaux ailés. Le cheval, en gros, il est, bon, on dit souvent le Pégase. Il est associé à l'air par la légèreté de sa course, la richesse de son souffle et de la foudre. Mais là, en fait, j'ai un peu de mal à distinguer. Je sais pas, ça pourrait être un hippogriffe. C'est-à-dire que dans la mythologie, c'est un animal qui est mi-cheval, mi-aigle. Mais bon, c'est très, très difficile à dire, hein. Je suis pas non plus un expert. Je prétends pas donner de leçons d'histoire, loin de là, hein. Mais en fait, comme je vous ai dit, hein, j'aime les armes, et j'ai trouvé que le sujet les armes dans le cinéma, bah, c'était quelque chose d'assez sympa. En plus, j'en ai pas mal à vous présenter. Là, vite fait, j'ai fait le tour, j'en ai au moins 6. Donc ça, voilà, ça pourra faire l'objet d'une rubrique, d'un type de vidéo récurrent. Ici, vous pouvez voir quand même César, impérator. Donc, bah, l'impérator durant la République romaine, hein, c'était le titre attribué aux généraux romains qui étaient vainqueurs, hein, quand ils revenaient de leur campagne militaire. Et le Sénat, pour Jules César, a fait une exception et il a décerné le droit à Jules César, en fait, de porter le titre d'impérator en permanence. Voilà. Donc une très très belle arme. J'ai déjà préparé un peu l'endroit où je vais la disposer. Et je vous montre ça tout de suite une fois que ce sera fait. Il est mort, ce soldat. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le thème vous plaît. Et je vais vous présenter donc l'endroit où j'ai mis mon petit coin Gladiator. Hein. Vraiment une spéciale dédicace à Goldie des Associés du Diable parce que c'est son film préféré. Donc je me suis fait trois cadres, hein, pour aller autour de ce magnifique glaive, ce gladius. Voilà. Le deuxième. Cette magnifique épée. Et une troisième photo qui est très très jolie, celle-là. Voilà!
Donc à très vite, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, dites si le thème de la vidéo vous plaît, si celle-ci vous a plu, et donc si c'est le cas, ben, sachez qu'il y en aura au moins 5 autres au bas mot. Donc ben, laissez des commentaires et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. J'espère que ça vous a intéressé, que côté un peu historique, vous en avez appris, vous avez appris quelques petits trucs sur, sur le glaive. Et puis à très bientôt. Allez, ciao.